On est pas bien là? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis vieux sur quoi déjà? Ouais, on en parlera après. Bon les potes, j'ai changé de décor, regardez, franchement c'est bien stylé hein. Bon, voilà, c'est une petite nouveauté. J'essaye des trucs, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bref, aujourd'hui, je vais réagir à vos vocaux sur Instagram. Tout le monde connaît Instagram, le réseau social, on peut créer son petit compte, faire ses petits posts Insta, on peut aussi parler avec ses potes, plein de trucs comme ça sympathiques. Mais il y a une petite face cachée, une petite face sombre de Instagram que pas beaucoup de gens connaissent, c'est les demandes. Et oui, pour ceux qui ont pas mal de DM, vous avez un petit icône demande en bleu, vous appuyez dessus, vous avez plein de personnes qui vous envoient des messages. Donc on peut avoir des messages sympas, des messages moins sympas, ça peut arriver qu'il y ait des petits haters là-dessus, mais on peut aussi avoir des vocaux. Et oui, des gens qui nous parlent, je sais pas ce qu'ils me disent, je sais pas ce qu'ils me racontent. Il y a des gens comme ça qui vont parler d'un truc sans aucun rapport. Il y a vraiment des trucs qui peuvent être trop drôles. Donc je me suis dit que réagir ensemble, ça peut vraiment être cool parce que je peux vous dire qu'il y a plein de pépites sur ce réseau, c'est un truc de fou. Il y a des moments, genre sans filmer, hein, je tombe sur des conversations, je me dis mais c'est quoi ce délire? Faut vraiment que je vous partage ça. Donc les potes, juste avant que ça commence, mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et c'est parti. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte Instagram, c'est neo.officiel. Ok, alors j'ai beaucoup de demandes comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà, il y en a déjà pas mal ici. C'était marqué que j'en avais 10 sur mon icône d'avant. Donc en fait ils mentent, Instagram me ment, je comprends pas. J'ai beaucoup de conversations, on va voir tout ça en détail. Bon, on est là pour réagir aux vocaux, les messages. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bref, c'est parti. D'ailleurs on en a même pas parlé mais j'espère que votre été se passe bien. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo, si ça se trouve l'été sera déjà terminé. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref, premier vocaux, c'est parti. Alors là c'est pas un vocal, c'est « Salut Néo, est-ce que tu fais gagner des V-Bucks à tes abonnés ?» Le gratteur, tu sais. Bon, on va réagir seulement à un message parce que sinon on est là pour l'éternité. Mais bon, écoute, Nolan, je comprends que tu veux gratter des V-Bucks, mais pas pour l'instant. Peut-être une prochaine fois, t'inquiète. Tu auras ton passe de combat une prochaine fois. Bon les potes, c'est décidé, faudra que je fasse une vidéo, je réagis à vos messages. Hein, parce que là, je vois pas de vocaux, je vois que des pépites niveau message. On va bientôt tomber sur des vocaux, mais il faut que je fasse cette vidéo, c'est sûr, je vais la tourner. Ok, j'ai trouvé enfin un message vocal. Oula, il m'envoie beaucoup de trucs. Alors attends, qu'est-ce qu'il me disait? Et ça date de 21 février 2021, ça date. Hein? C'est quoi ce vocal? C'est juste on entend des oiseaux. Pourquoi on m'envoie ça? Moi je comprends pas là. Et là on dit quoi? Néo, est-ce que tu peux t'abonner à moi s'il te plaît? Parce que moi je t'envoie des messages et tout, tu vois, je te connais depuis longtemps. Genre depuis longtemps quand Swan il faisait à... Ah ouais, c'est un ancien, attends quoi? A, B, C, D, longtemps. Ah ouais, d'accord. Du coup, tu peux t'abonner à moi, s'il te plaît, parce que je suis une fan fidèle et tout. Et tu vois, moi, je te suis, je t'aime trop et tout. Voilà, voilà, bisous. Ah, sympa. Là, en vrai, c'est un message normal, super sympa. Merci à toi, Yusuka, je crois que tu t'appelles comme ça. Écoute, voilà, juste pour la peine, je m'abonne, voilà. Trop sympa. Non, mais franchement, là, super sympa cette personne. Franchement, merci à toi Yusuka. T'es une abonnée en or. Merci, ça fait trop plaisir. Toi, on va lui répondre. Toi, on va lui faire un petit vocal, nous aussi. Ouais, on répond par des vocaux. Hein. Salut, j'espère que tu vas bien. Bah, merci, trop sympa. Et vas-y, je m'abonne direct. Hein. on verra ce qu'elle répondra plus tard. On verra ce qu'elle a dit. Si elle répond dans cette vidéo, on verra bien. Bref, vocal suivant. Alors là, c'est quoi maintenant? Décembre. Coucou Néo, j'espère que tu vas bien. Grave jeune. En tout cas, ça va très bien. J'ai que 10 ans. Je m'appelle Lorinda. Je suis une grande fan de toi. Je suppose que tu connais Juju Fit Cat. Enfin, oui. Justine, en gros. Et Thibaut, je suis abonnée à eux. Je suis des grandes fans de vous. Et je suis aussi abonnée à Sophie. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, j'espère que vous allez me répondre. Oh, c'est trop mignon ce vocal. Non mais franchement les potes pour l'instant il n'y a rien de glauque hein. C'est bien hein. Franchement là c'est que des vocaux gras sympas. Et toi, allez, envoyez quoi d'autre? Bonjour Néo, j'espère que tu vas bien. T'as le fait des petits vocaux au quotidien comme ça. C'est des faux comptes hein. Non c'est le vrai. Non. Ah là c'est vrai ouais. Il y a le petit bleu. Néo the One. Attends, je me fais pas respecter là par contre. Néo the One, non c'est Néo the One. One. Accent anglais, please, je parle pas un mot d'anglais. Du coup, elle a bien remarqué la petite pastille bleue, hein, la petite certification. Oui, ne vous faites pas avoir par les comptes fake. Il y en a beaucoup sur Instagram, mais le vrai est celui qui est certifié. Je disais, j'espère que tu vas bien, ou en tout cas, je vais bien. Et comme je suis trop venue de toi, eh bien, j'espère que tu vas me répondre tout de suite, en gros. Tout de suite, ah ouais, d'accord, je me fais menacer maintenant. Trop sympa. Ouais, non, pas sympa ça du coup, mais vraiment trop mignon. Alors, elle s'appelle Lila. Salut Lila, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, merci pour ton message. Je vois que t'es une grande fan, ça fait super plaisir. Écoute, passe une bonne journée. Voilà. Excellent. Ok, c'est parti, prochain vocal. Alors, de Louis. Wow, il m'a envoyé plein de trucs. Vous êtes les meilleurs. Ok, ça a l'air sympa. Aïe, Néo, comment va?
What the... Wow, attends, le son était grave fort, ça m'a surpris. Attends, mais il parle quelle langue? Aïtolé, Néo, comment va? Je sais pas, attends, on va voir les taux de vocaux. Oh, Néo, oh, t'as repris la grosse tête ou quoi? Après, tu réponds plus. Non, ok, il parle français, mais il est bizarre. Attends, j'ai pris la grosse tête d'après lui? Attends, c'est quoi ce délire là? Je crois qu'il m'aimait bien là, vous êtes les meilleurs, il a dit. Oh. Ah, je déconne, en vrai. Ah, t'es meilleur. Ah, c'est une blague. Ok, ah, oh, grave, sympa, super. Attends, c'est quoi les autres vocaux? Oh, le Ricky. Oh. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est quoi? Je vous l'ai dit qu'il y avait des gens bizarres en vocaux. Allô? 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 Mais. Genre le mec, tu sais, je sais pas ce qu'il fait, il est dehors là. Allô? 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 C'est. What? Je comprends pas. D'accord, il fait des vocaux aléatoires. Genre vraiment, il se dit, vas-y, là je vais dire un mot, ça va passer, ça sera un bon vocal. What? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Louis, il faut que tu m'expliques là, je comprends pas. En vrai les potes pour l'instant ça va, c'est pas non plus trop bizarre. Mais vous verrez, je pense qu'on tombera au moins sur une pépite. Les potes, là je remonte à l'époque où j'avais plein de vivre sous l'équateur du Brésil. Je pense que je vous en parlerai sur une autre vidéo de ce truc. Mais c'était vraiment un délire, c'était n'importe quoi. Pour les potes, un nouveau vocal. Bon, j'espère rien de bizarre cette fois. Wesh Néo, c'était pour te dire j'aimerais bien battre Swan. Quoi? Swan The Voice. Et il me fait trop rougir, trop gris, il est trop beau. FBI? FBI, open up! Ok, cette personne m'a envoyé beaucoup de vocaux, on va voir. Salut Néo, c'était pour te dire que j'ai un petit crush sur ton frère en fait. Mais qu'est-ce que vous avez avec Swan? Oh, c'est bon, calmez-vous là-haut! Non, mais c'est quoi ces vocaux? Ok, là ça commence à être bizarre, les potes. Oh non, il y a plein de vocaux et j'imagine pas la suite. Je veux pas entendre la suite. Voilà, si tu pouvais peut-être m'organiser un petit date avec Swan, ça serait pas de refus, quoi. Ça me tue de rire. Bon, moi je suis toujours disponible en fait. Parce que bon, voilà, ça fait mon crush, donc je suis tout le temps disponible pour lui. Ok, Swan là, je vois qu'il a il a des personnes là. Swan là, il a des intéressés. N'en parle pas à Swan, ok les potes, je compte sur vous. Bon, en vrai, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, mais franchement, en soi, c'est pas grave. Je ferai tout pour lui, c'est. Oh, c'est l'homme de ma vie en fait. Néo, s'il te plaît, réponds-moi, Néo. Ah oui, parce qu'en fait, elle a envoyé ce message le 4 août et je réponds seulement le 27 juillet. Attends, mais je réponds un an plus tard. Attends, mais quoi? Elle a envoyé un message un an plus tard? Ah ouais, d'accord. Ça va faire un an, réponds-moi. Ça fait un an, effectivement. On va lui répondre. Les gars, on peut pas lui dire que Swan n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Écoute, bonjour, j'espère que tu vas bien déjà tout d'abord. J'en ai parlé à Swan, il est en train de réfléchir. C'est beaucoup de réflexion pour lui, tu comprends. Là, il hésite. Il reviendra vers toi sûrement très bientôt. En tout cas, pépite de chocolat. Je sais pas, je n'avais pas d'idée. Écoutez, ça passera très bien. Désolé Swan pour pépite de chocolat. On va voir ce qu'elle répond, hein. Un an après, je pense que ça va surprendre qu'on lui répond. Ok, la compte complètement random. Ami Dibaga. Je sais pas. Vocal de 24 secondes, on va voir. Ça, c'est vraiment la surprise. Tu vois, c'est un peu un œuf Kinder. Tu vois, tu l'ouvres là. Ça peut être un jouet nul ou. Très bien, on verra bien. Salut Néo. Bonjour. C'est pour mon iPhone 13 Pro Max. J'habite. Ok, on lit son adresse, on floute. Pour la couleur, en fait, j'aimerais bien voir noir, s'il te plaît. Mais si t'as pas et que c'est rose, bah, tu me le donnes en rose et puis voilà, en plus. Ah ouais, pour les potes qui ont pas compris, en fait, cette personne a trouvé un compte fake qui faisait des faux concours d'iPhone X. Ce qu'il craint, c'est que sa voix, on entend que c'est qu'un jeune, tu vois, donc ça se trouve, c'est un gamin de 10 ans, tu vois. Il s'est fait avoir, il a donné son adresse ou je sais pas quoi à une personne mal intentionnée. Et du coup, là, maintenant, il demande l'iPhone sur mon compte officiel. Donc les potes, ça ne vous faites pas avoir, vraiment faites attention. Il n'y a qu'un seul compte, c'est celui qui est certifié, tout le reste c'est du fake. Et généralement quand je fais un concours d'iPhone X ou d'iPhone classique, c'est quand même bien précisé. C'est très rare, j'ai dû le faire appeler une fois sur mon compte et c'est vraiment particulier tu vois. Parce que vraiment, si vous voyez des concours à la chaîne, c'est clairement pas mon compte. Et de toute façon, c'est la certification, tout le reste c'est du faux. Voilà, je le dis, si pas la pastille bleue, c'est du fake à 100%. Donc les potes là, cette personne, on va tout simplement lui dire qu'elle s'est fait avoir. Néo qui donne des leçons de morale, ça va pas hein. Attendez, on va lui répondre déjà. Salut, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, désolé mais je ne fais pas concours d'iPhone, tu as dû tomber sur un compte fake.
Si c'est le cas, eh bien j'espère que tu n'as rien donné de personnel. Si c'est le cas, préviens vite tes parents. Bon, les potes, j'ai essayé de faire le truc le plus correct possible. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Je suis vraiment nul pour ce genre de choses. Mais j'espère en tout cas que cette personne n'a pas eu de problème par rapport à ça. Je le redis encore une fois, méfiez-vous des comptes fake. Faites vraiment attention parce que ça peut aller très loin. Ok, là je suis tombé sur un bon exemple, c'est les comptes trolls. Il y a des comptes comme ça, donc là c'est Pierre machin truc, qui en gros m'envoie juste des photos de même, des trucs bizarres, des messages chelous. Donc là il me dit yo le rap, il m'envoie des photos de même trop bizarres. Et là il m'envoie un vocal de 3 secondes. Néo, j'aimerais bien faire une glace au goût de caca de chien. Voilà, c'est bien ce que je disais, c'est un contrôle. C'était sûr de toute façon, c'était sûr que ça allait être un truc complètement débile. Je vous l'avais dit, bon, rien à dire d'autre. Faut déjà s'estimer heureux qu'il n'y a pas eu d'autres vocaux. Parce que là il y en a un seul, ça aurait pu être plein d'autres vocaux. Et là vraiment... ça aurait été de plus en plus gênant. Je pense que là vous avez un peu cerné le compte troll. Je pense qu'on tombera sur d'autres comptes comme celui-là. C'est parti, on continue les recherches à fond. Ok, nouveau message. Alors. Alors, donc, salut Néo. Alors, t'es à 200e. Attends, combien? Ouais, 200e personne que je DM. Jusqu'à temps qu'il y en ait une qui me réponde. En gros, je DM des. Comment dire? On va dire. Ouais, des stars. Des stars. Non, je suis pas une star, juste pas. Jusqu'à temps qu'il y en ait une qui me réponde. Et puis, sinon, j'espère que tu vas me répondre. Et sinon, ah oui. Voilà. Ah oui, mais je sais pourquoi il m'envoie ça. Attends, il m'a envoyé ça. Attends, 4h du mat. Ah, par contre, c'est un fou, hein. Mais oui, je sais pourquoi il m'a envoyé ça. En fait, il y avait une trend sur TikTok où il y avait des gens qui répondaient à des marques, à des gens un peu connus, etc. Du coup, il m'envoie ça. Bah, merci. Ça veut dire que je suis quelqu'un de connu. Bah, trop sympa. Ça fait plaisir. Ok, merci. Bah, on va lui répondre, même si bon, c'est un peu en retard, mais tranquille. C'est pour TikTok, en fait. Ensuite, il va en faire un TikTok. Bon, là, vu que c'est tard, je sais pas, mais pas grave. Salut, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, déjà, t'as de la force, hein, de faire ce vocal à 4h du mat. Vraiment, moi, je dormirai direct. Mais écoute, bah, salut. C'est avec plaisir ce petit message. Et voilà, bon TikTok si tu fais un TikTok de ma réponse. Ok, nouveau message d'une minute. Mais attends, mais le gars il me raconte quoi là? Bonjour Néo, j'aimerais d'abord qu'on établit des règles, que cette conversation soit secrète entre nous deux. Oula, bah non. Alors j'aimerais d'abord te dire, monsieur Néo, que j'ai un projet qui pourrait certainement t'intéresser, pas moi bien sûr avec toi, mais à toi tout seul, où tu pourrais bien sûr écrire ta propre musique. Ah, ouais, sympa, certains youtubeurs le font et on voit très bien que... C'est intéressant, par contre désolé, mais là ça risque de pas être trop secret, hein. À part si les abonnés gardent le secret, hein. Je compte sur vous, ça reste entre nous, ok? Très bien que ça marche. Alors je pense que tu pourrais faire certainement une musique. Bien sûr, une musique qui est dans la mode dans ce moment pour éviter que tu te fasses détruire comme on a vu certainement il n'y a pas longtemps avec la musique de Copitzmania là. Ah, détruire dans ce sens là, ok, oui. Voilà, je te proposais ce projet car en ce moment tout le monde fait ça et j'aimerais que toi tu te mettes en valeur en chantant une musique. Ouais. Voilà, certes, tu pourrais bien sûr faire un feat avec, avec Swan. Et si ça... Bah écoute, les musiques, c'est pour bientôt, hein. C'est... les gars, le vocal, il me l'a envoyé il y a un an. Il y a un an. Je disais la même chose il y a un an. C'est pour bientôt, les potes. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, allez. Et si ça marche, bien sûr, tu pourras faire un feat avec Booba et Caris. Voilà. Bon, peut-être pas avec eux. Oui, en gros, il veut que je fasse de la musique, mais pas avec lui. Genre, il me dit, il me rappelle juste qu'il faut que je fasse de la musique. C'est sympa, hein. Merci, hein. Merci. Voilà, tu pourrais essayer. Il met la pression, en fait. Bah voilà, alors si tu me réponds, fais-moi un signe. Enfin, un signe, tu m'envoies un message, quoi, pour que l'on se pète. Si tu veux, je pourrais t'aider. Je suis un très bon écrivain, j'ai déjà écrit deux chapitres d'un livre. Un roman policier. Ah ouais, ouais, si, c'est un bon écrivain. Un roman policier, si tu préfères. D'ailleurs, c'est ma prof qui l'a, elle me l'a pas encore rendu. Je suis triste. D'accord. Ouais, bon, bah voilà, quoi, j'ai écrit des poèmes aussi. D'accord, tu es donc Victor Hugo. Très bien, ok, franchement... C'est encourageant. Voilà, voilà. Bon, bah, salut. À plus tard, Néo. Je te fais la bise. Ok, bah, merci, hein. Merci à toi, hein. Et après, il m'envoie un message un an après. Néo, le pH est de combien de ta piscine en ce moment? D'accord, très bien. il est pas trop sérieux pour la musique, là, j'ai l'impression. Il est plus sur le pH. Tu parles de quelle piscine? Celle qui était au Portugal ou celle chez nous, là? C'est un peu compliqué, hein. Écoute, va voir mon TikTok où je mesure le pH. Ce sera plus simple. Hein. Et est-ce qu'on lui répond? Vas-y. Écoute, ta question par rapport au pH, c'est super intéressant. Franchement, je suis vraiment ravi que tu sois passionné de physique comme ça. Eh bien, écoute, pour avoir la réponse, va sur mon TikTok où je mesure le pH de ma piscine, tout simplement. Et sinon, bon visionnage de ce TikTok. Voilà. Allez, les potes, un petit dernier vocal de Salma T. En fait, je voulais t'envoyer un message parce que, en fait, je m'ennuie. Voilà.
Waouh, ok, super vocal, hein, franchement. Voilà, je vais t'envoyer un message parce que je m'ennuie. Voilà. Allez, hop, on va lui envoyer un message. D'accord, elle m'avait mentionné il y a, en 2020, c'était il y a grave longtemps. Et là, elle m'a envoyé un message il y a un mois à peu près. Ok, bah c'est parti, hein. On lui dit quoi, les potes? Écoute, je me suis décidé à te répondre, hein, parce que, bah, je m'ennuie. Voilà. Allez, super vocal. Ah, du coup, là, il y a la fille Lucie là, qui parlait à Swan, là, qui a répondu. Elle dit merci, mon chou. T'inquiète, dès que j'ai vu ton message, j'ai fait passer le message à Swan directement. Bon, en vrai, faudra peut-être prévenir Swan. Vous en pensez quoi? On verra bien. Bref, les potes, c'est la fin de cette vidéo où je réagis à vos vocaux sur Instagram. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'est une version un peu light, c'est vrai, parce que là, actuellement, en ce moment, il n'y a pas trop de messages de fou. Il y en a certains quand même un peu extrêmes, hein, pour Swan, par exemple. Mais franchement, tranquille, il y a eu pire. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite partie 2. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. En tout cas, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et les potes, à la prochaine !